J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du 100 bébés challenge. Et Marc est en train d'accoucher. Du coup, j'ai avancé la partie, forcément. Et il y a aussi le fait que les deux petits vont grandir. Du coup, on va le laisser manger tranquillement d'abord. Il vient de punir notre petit Antoine qui a fait le bazar ici aussi. On n'a plus de sous. Ça, c'est. Du coup, avoir un bébé. Bah, du coup, il fera tout ça plus tard. Oui, bon, on sait. Oula. Alors, on n'a plus de sous. Et en plus, j'ai acheté des trucs qui ne servent pas trop pour l'instant. Donc, voilà. Alors, on va aller coucher. On va voir si c'est enfin une fille. Et les petits, ils sont bien. Tranquille et tranquille. Tranquille et tranquille. Alors. Ah, c'est une fille. Donc nous allons appeler. Karine. Non. Charline. Voilà. Avec une majuscule, c'est mieux. Charline. Ouais. Et c'est une seule petite fille. Ok, ça me va. Voilà. Qui a faim, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Et du coup, on va faire directement grandir les deux petits. J'avais préparé un gâteau. Hop. Oups. Plus de choix. Il y a soufflé les bougies. Bastien d'abord. N'empêche qu'elle est chaud pour l'instant. On va avoir la surprise pour eux deux, je pense. Ou pour lui aussi, je pense. Limite, on va tous avoir la surprise. Hein. Et j'ai déjà préparé le nouveau, le futur quatrième papa. Enfin, troisième. Attends. Non, quatrième. Troisième. Et c'est Victor Feng qui vit à San Machuno, tout ça. Du coup, on fait souffler les bougies pour le petit Bastien. C'est Bastien, ça, oui. J'ai du mal avec les prénoms. Alors, Bastien était curieux. Je vais faire ça et puis. Plus paresseux. Ok, du coup tu t'es là. Attends. Mets les bougies pour ton frère jumeau. Et toc. Aider à souffler mes bougies pour Benoît. Qu'est-ce que t'as? Mets un truc. Voilà, lire la première école. Lui, il en est à. Ouf, ouf. Il est toujours au niveau C de l'école. Du coup, faut qu'il soit au niveau A.
Mais pour l'instant, ça n'avance pas trop. Et tiens, dernier. Il était pénible. On va faire ça et pitre. Voilà. Et on remet les bougies. Non, mais on s'en fiche. On remet les bougies. Et on range. Ok. Du coup, la petite elle va bien. On va les relooker, tu sais, voir comment ils ont grandi. Et partout. Oh, il voulait faire le ménage. Le ménage de quoi? Alors, Benoît. Oui, très bien. Alors, on va lui mettre comme ça. Ça n'est pas pareil du tout. Non. Bon, pourquoi pas? Ensuite, on peut lui mettre un petit haut comme ça. Pas de short, j'aime pas les shorts. Hop, comme ça. Ouais. Et puis ça. Et notre petit Bastien. Ben, ça va encore. Ça pourrait être pire, mais. Enfin, non, quand même, c'est pas. Pour l'instant, ça va. On va dire que pour l'instant, ça passe. Oui. Hop, un petit haut comme ça, avec un petit pantalon. On va mettre le même pantalon que mon frère, je pense. Hop, et les chaussures. On va mettre celle-là. Voilà. Et en soi, il ressemblait à ça. Qui n'est pas beaucoup mieux que ses autres frères. Toi, on peut changer de tenue. Nouveau bébé, nouvelle tenue. Et comme on a cette tenue là, bien sympathique, tu vois. Ah oui, j'ai envie d'essayer la coiffure aussi. Où est la coiffure? Là. Bon, ça lui va pas trop mal, n'empêche. Allez, on lui fait un petit look jeune, parce qu'il est jeune, tu vois. Pas, il a trois enfants, enfin quatre enfants, mais il est jeune. Ouais. Et puis des chaussures. Ah, elle est comme ça. Je pense qu'il a un petit bidou maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Il lui pousse une aile. Il a un petit chapeau. Non, pas de chapeau. Non, pas de chapeau. Voilà. du coup, on passe à la suite. Voilà, maintenant. D'accord, elle n'est pas contente. Ok. Bah toi, tu veux manger peut-être. Va manger. Il faut manger. Toi, tu fais pipi. C'est pas le bazar. Par contre, les vêtements, ils ont jamais été retirés. Hop. Tu vas changer l'eau. De ce truc là, faire de la peinture, est-ce qu'on a besoin de sous? Parce que bonjour, là il faut changer mes habits. Mais je peux en vendre, je vais en vendre qu'un. Y a plus assez de lits, de sous pour les lits. On va vendre ça. Il va falloir faire du fric. Ah, là on peut en mettre un. Pourquoi tu veux pas? Non, petit moment de triche. Hop. Un lit.
On peut mettre qu'un lit. Il y en a un qui dormira avec son père. Qu'est-ce qu'il fait avec ton linge? D'accord. Oui, il peut. Oui, bien sûr. Et s'il me passe du fric en même temps, ça ira très bien. Ah, c'est les toilettes qui sont cassées. Ah, tout en même temps. Moi, ils font le ménage. C'est pas plus mal. Ils pourraient pas faire la lessive aussi, hein, par hasard. Ah, ils peuvent faire avec la lave la machine. La lave-machine, bien sûr. En vrai, bah qu'est-ce qu'il a, monsieur Feng? Bah, du coup, ça c'est fait. On va se rapprocher de monsieur. Histoire de mettre en route le cinquième enfant. Bon, dis donc, non, on va pas essayer de s'échapper, ça ne marche pas. Bonjour. Mais il est triste en même temps. Je suis désolée. Discuter de l'embarras sans plus à propos des gâteaux. Oui. Ok. Du coup, on va attendre un peu que ce soit moins embarrassant tout ça. Ok, on a un peu de sous. On va continuer de se faire des sous. Parce que voilà. On va éviter pour l'instant d'implémenter la tenue. Qu'est-ce que vous faites tous dans la salle de bain? Je peux pas nettoyer. Oh. Elle est où, monsieur? Oui. Ok. J'aurais peut-être dû attendre avant d'inviter. Venez là, arrêtez d'aller dans cette salle de bain de merde. Ils sont loin d'être fatigués. Alors, on va tous les mettre sur leur devoir. Sauf ceux qui l'ont déjà fait, forcément. Et hop. Premier baiser déjà. Donc ça tu vends. Dis donc, tu ne juges pas tout ça. Ok. Toes of Bab, Panaclets, Peniops. Oh, Venus.
Alors, invité à rester dormir. Essayez de faire un bébé. Toi. Je ne sais pas quoi te faire, mais bon. Tu pourrais jouer du jeu. Hop. La petite choupette. On va bien. Du. Ok. On s'en fout de lui, on va dodo maintenant. On va tout m'emmêler, j'ai envie de dire. Ah non, toi tu dégages. Attends, hop. Parce que là, il n'y a plus de lit. Tu ne dors pas chez moi. Demandez de partir. Mais. Non. D'accord. Non, va comme tu dis. Bah, quoique, je peux peut-être t'acheter un lit. Juste que je regarde ça. Oh bébé. Demandez de partir, il n'y a toujours pas. Non. Toi, allez jouer. Toi, on va dormir. Oh, j'ai le ménage. Au moins, il sert à quelque chose. Oh, c'est pas le moment de faire un cauchemar. Dors. Mais dors là. Et bah, tu dors là. Oh, le relou. Du coup, je pense qu'on a fait assez d'épisodes pour l'instant. Pardon. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour faire accoucher Marc et pour voir la petite grandir. Et puis, on va essayer aussi de faire grandir Antoine. C'est arrivé. Et puis voilà. Du coup, je vous dis bye.